Bonjour les CP, bienvenue dans cette vidéo pour notre séance de mathématiques. Nous sommes aujourd'hui mardi 24 mars. Pour pouvoir commencer cette séance, tu vas avoir besoin de prendre ton ardoise et ton feutre ou alors juste une feuille de papier de brouillon et de quoi écrire. La première des choses que tu vas devoir faire pour commencer cette séance, ça va être de repérer un nombre sur mon tableau des nombres. Le premier nombre avec lequel nous allons travailler, c'est le nombre 52. Vas-y, je te laisse le retrouver dans le tableau, mets ton doigt sur l'écran. Je te donne la solution. Le 52 était ici. Je vais te laisser écrire sur ton ardoise ou sur ta feuille le nombre 52. Et ensuite, nous noterons à droite, enfin toi. Note à droite le nombre que l'on va trouver si l'on fait plus 1, c'est-à-dire celui qu'on trouvera ici. Ensuite, de l'autre côté, note le nombre que l'on trouvera si l'on fait moins 1, celui qui est caché derrière cette partie du tableau. En dessous, tu noteras le nombre que l'on va trouver si l'on fait plus 10, si l'on rajoute une dizaine. C'est le nombre qui est caché derrière cette partie. Et au-dessus, tu noteras le nombre que l'on trouve si l'on enlève une dizaine, si on fait moins 10. C'est le nombre qui est caché ici. Je te laisse préparer ceci. Fais pause. Quand tu es prêt, on regarde ensemble la solution. Allez, si tu es prêt, on regarde ensemble la solution. 52 était ici. Si on fait plus 1, on trouve 53 de ce côté-là. Si on fait moins 1, on va trouver 51. 52 moins 1, c'est 51. Si on rajoute une dizaine, on va trouver ici 62. J'ai au départ 52, je rajoute une dizaine, je trouve 62. Par contre, si j'enlève 10, cette fois, je vais trouver 42. 52 moins 10, c'est 42. Nous allons à présent recommencer cet exercice avec un autre nombre. Je te laisse chercher d'abord dans le tableau des nombres le nombre 68. Et oui, je bois du café. Donc, le nombre 68, si tu l'as trouvé, tu as mis ton doigt dessus, je mets mon petit cache. Il est là, le nombre 68. Il s'écrit avec un 6 et un 8. À nouveau, tu vas écrire sur ton ardoise ou sur ta feuille le nombre 68, noter à droite ce qu'on trouve si on fait 68 plus 1. À gauche, notez ce que l'on trouve si on fait 68 moins 1. En dessous, ce qu'on trouve si on fait 68 plus 10. Et en haut-dessus, ce qu'on trouve si on fait 68 moins 10. Je te laisse travailler, fais pause et on se retrouve juste après pour la correction. Regardons à présent la correction. Le nombre 68 est ici. Je vais l'encadrer pour que tu ne le perds pas de vue. Si on rajoute plus 1 à 68, on trouvera 69. Si on fait moins 1 à 68, si on enlève 1 à 68, on va trouver 67. Si on rajoute 10 à 68, si on rajoute une dizaine, on trouvera 78. Si on enlève une dizaine à 68, au-dessus, on trouvera 58. Allez, encore une fois, toujours le même exercice, cette fois avec le nombre 75. Je te laisse le trouver sur le tableau. 75. Si tu ne l'as pas encore trouvé, je te le montre. Le voici. Je te laisse écrire
sur ton ardoise ou sur ton brouillon le nombre 75, écrire de ce côté-ci ce qu'on trouve si on fait plus 1, de ce côté-là si on fait ce qu'on trouve si on fait moins 1, au-dessous, ce qu'on trouve si on fait plus 10, et au-dessus ce que l'on trouve si l'on fait moins 10. Je te laisse faire pause, chercher, et on se retrouve pour la solution. La solution, la voici, 75. Et ici, si je rajoute 1 à 75, je trouve 76, ici. Si j'enlève 1, si j'enlève 1 à 75, je tombe sur 74. Si je rajoute une dizaine, je vais trouver 85. Si j'enlève une dizaine, je vais trouver 65. Pour la suite de nos exercices, je vais te proposer des petites additions que tu vas devoir réaliser dans ta tête. Tu écriras le résultat de ces opérations sur ton ardoise ou sur ta feuille de brouillon. Quand tu es prêt, poursuis la vidéo. Je veux que tu me donnes, que tu me notes le résultat de 7 plus 5. 7 plus 5. Le résultat de 7 plus 5, c'est 12. J'ai 7, je rajoute 5, ça fait 8, 9, 10, 11, 12. À présent, je veux que tu m'écrives le résultat de 12 plus 3. 12 plus 3. Le résultat de 12 plus 3, c'est 15. Je mets 12 dans ma tête et je rajoute 3. 13, 14, 15. Enfin, je veux que tu me trouves le résultat de 4 plus 21. 4 plus 21. Le résultat de 4 plus 21, peut-être que tu as eu du mal parce que tu t'es dit « je mets 4 dans ma tête et je rajoute 21 ». Il aurait été plus simple de mettre le plus grand nombre dans ta tête, soit 21, et de juste rajouter 4. J'ai 21, je rajoute 4, 22, 23, 24, 25. Le résultat, c'était 25. Essaie toujours de mettre dans ta tête le nombre le plus grand. Nous allons continuer notre séance d'entraînement au calcul mental en utilisant les presque doubles. Je te rappelle que les presque doubles, on les utilise ainsi. Si par exemple, j'ai 6 plus 7, tu vas devoir essayer de trouver le presque double. Ici, ce serait 6 plus 6 plus 1, puisque 7, c'est 6 plus 1. Tu sais que 6 et 6 font 12, plus 1. Le résultat est 13. Je te laisse utiliser cette méthode pour faire les opérations suivantes. Tu me notes juste les résultats. Fais 10 plus 11. Le résultat de 10 plus 11, c'est 21. Normalement, tu n'as pas à compter sur tes doigts. Tu sais que 10 plus 10, ça fait 20. 11, c'est 10 plus 1. Donc 10 plus 11, c'est 20 plus 1. 10 plus 11, c'est 21. Même chose avec 5 plus 4. Le résultat de 5 plus 4, c'est 9. J'espère encore une fois que tu n'as pas eu à compter sur tes doigts. Deux solutions pour le trouver. Soit tu te disais que 5 plus 4,
c'était 4 plus 4 plus 1, puisque 5, c'est 4 plus 1. 4 et 4, tu sais que ça fait 8. Plus 1, tu arrives à 9. Tu pouvais aussi utiliser une autre méthode. Tu sais que 5 plus 5, ça fait 10. Mais 4, c'est 5 moins 1. Il va donc falloir retirer 1 à 10. Encore une fois, si tu as 10, que tu enlèves 1, tu arrives à 9. Encore un avec 6 plus 7. Allez. Si tu as besoin de plus de temps, c'est que tu n'utilises pas la technique des doubles. 6 plus 7, ça fait 13. Tu le trouves facilement puisque c'était l'exemple que je t'avais donné au début. 6 plus 7, c'est 6 plus 1. Ton double, tu l'as ici, c'est 6 plus 6. Ça fait 12. Plus 1, ça fait 13. Nous allons faire à présent une de mes énigmes de ma boîte à énigmes. Regarde bien l'image. C'est une boîte d'œufs qui contient normalement 10 œufs. Tu vois qu'il y a 2 œufs qui sont sortis. Ma première question que tu vas écrire la réponse sur ton ardoise ou sur ton brouillon, c'est la suivante. C'est une boîte de 10 œufs, combien en reste-t-il dans la boîte? Je te laisse faire pause, noter le résultat, l'opération, et on se retrouve après. Si tu as eu le temps de réfléchir, je vais te donner une réponse. Il y a, au départ, 10 œufs. Il y en a 2 qui sont sortis de la boîte. On a donc enlevé 2 œufs. Quand on enlève, on fait une soustraction. 10 moins 2 égale. J'ai 10, j'en enlève 2. Il m'en reste 8. La bonne réponse pour la première question, c'était il reste 8 œufs dans la boîte. J'espère que tu avais trouvé. Je vais maintenant te poser la deuxième question. On va imaginer que maintenant, mes œufs, enfin ma boîte à œufs, elle peut contenir 12 œufs. 12, regarde, c'est écrit ici dans la question. 12 œufs. Tu vas devoir chercher combien il en faut pour avoir à la fin un total de 60 œufs. Ma question, c'est combien de boîtes de 12 œufs je vais devoir mettre ensemble pour à la fin avoir 60 œufs. Je te laisse faire pause, chercher, dessiner et on se retrouve après pour la réponse. Si tu as eu le temps de chercher, je vais te donner une réponse, une manière de chercher la solution à cette énigme. On a dit qu'il fallait, on a dit qu'à présent il y avait des boîtes de 12 œufs. Regarde, j'ai dessiné une boîte de 12 œufs. Ici, on peut vérifier ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà ma boîte de 12 œufs. J'ai donc 12 œufs. Combien est-ce que je vais avoir besoin de boîtes de 12 œufs pour en avoir 60? J'en rajoute une nouvelle. J'étais à 12. Maintenant, ça me fait 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24. J'ai 24 œufs en tout. Je continue, j'en rajoute une autre. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. À présent, je n'ai plus 24 œufs, j'en ai 36. Je n'en ai toujours pas 60. Il faut donc que je rajoute encore une boîte. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. À présent, je n'ai plus 36 œufs, j'en ai 48. Il m'en manque encore pour arriver à 60. Je vais donc rajouter encore une boîte. 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Ça y est, j'ai atteint les 60 œufs.
mais je n'ai toujours pas la réponse à mon énigme. Oups, pas 68, 60. Mon énigme, c'était... Pardon, je prends mon temps, j'écris bien 60. Ma question, la question à mon énigme, c'était de savoir combien de boîtes d'œufs il me fallait, combien de boîtes de 12 œufs il me fallait pour atteindre 60. Alors maintenant, il va falloir compter les boîtes pour pouvoir vraiment répondre à la question. J'en ai une, deux, trois, quatre et cinq. Pour avoir un total de 60 œufs, il me faut 5 boîtes. Le prochain exercice, c'est une résolution de problème. Tu vas utiliser ton ardoise ou ton brouillon pour chercher à résoudre le problème suivant. Écoute bien, ça se passe dans un supermarché. Dans le sac de course, il y a 5 bananes, il y a 6 oranges et il y a 10 pommes. Ma question est la suivante, combien est-ce qu'il y a de fruits en tout? Combien y a-t-il de fruits dans le sac de course? Sachant qu'il y a 5 bananes, 6 oranges et 10 pommes. Je te laisse faire pause, chercher la solution quand tu penses avoir trouvé. Poursuis la vidéo pour qu'on regarde ensemble la solution. Si tu as eu le temps de chercher, nous allons regarder ensemble ce qu'il fallait faire. Déjà, la première chose, c'est de s'interroger. Ce type de problème, c'était celui du même type que Léa qui a des cartes, de Léo qui a aussi des cartes, et on se demande combien est-ce qu'il y en a en tout. C'est donc un type de problème où il va falloir additionner plusieurs parties pour savoir combien il y a en tout. Allez, on regarde avec mes petites images. D'abord, il fallait prendre les 5 bananes. J'ai 5 bananes. Je vais ajouter le reste des fruits. C'est donc une addition, puisqu'on ajoute. On va ajouter 6 oranges. Voilà mes 6 oranges. On va encore ajouter le reste des fruits. Cette fois, ce sont les pommes. 1, 2... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà mes 10 pommes. Si j'additionne 5 plus 6, c'est un presque double. Tu sais que 5 et 5 font 10. Tu rajoutes 1, ça fait 11. 5 plus 6, ça fait 11. Je rajoute une dizaine. Je vais arriver à 21. Voilà, j'espère que tu avais trouvé la solution. Pour l'exercice suivant, nous allons jouer au jeu de la cible. Le jeu de la cible, normalement, tu y as déjà joué avec Nolwenn quand elle me remplaçait en classe. Le jeu de la cible, c'est une cible sur laquelle on va jeter des fléchettes. À chaque fois que je jette une fléchette, je vais faire un nombre de points. Regarde, si j'atterris dans la zone rouge, si ma fléchette atterrit dans la zone rouge, c'est dans ce sens-là, je vais marquer 10 points. Si elle atterrit dans la zone bleue, je vais marquer 5 points. Si elle atterrit dans la zone jaune, je vais marquer 1 point. À la fin, on va additionner tous les points en regardant où la fléchette est arrivée. Et donc, tu vas devoir additionner pour trouver le résultat final. Alors, attention, je vais jeter ma première fléchette. Et hop, j'ai fait 1. Ma deuxième fléchette, je vais la jeter. Raté. J'ai fait 10. Attention à la troisième fléchette. J'ai fait 5. Je te laisse additionner tout ça et me dire combien j'ai marqué de points en tout. Fais pause. Si tu as eu le temps de chercher, je vais noter la solution ici. J'ai d'abord fait 10 plus 5 plus 1. Tu as plusieurs façons de trouver le résultat. Soit tu fais d'abord 5 plus 1, 5 plus 1, et tu vas trouver 6. Ensuite, il te reste à additionner 10 et 6. 10 plus 6, ça fait 16. Tu pouvais également faire d'abord 10 plus 5, ça fait 15, plus 1, 16 aussi. Allez, encore un jeu de la cible. Je m'entraîne à viser. Attention, c'est parti. Non,
C'est pas parti. Encore. Et encore. Je te laisse additionner tous les scores que je viens de faire et me donner la bonne réponse. Je te laisse faire pause si tu en as besoin. Allez, cette fois, on voit qu'on a 10 plus 1 plus 1. Normalement, tu n'as pas eu de mal à trouver la bonne réponse. 10 plus 1, 11 plus 1, 12. J'ai marqué 12 points. Encore une fois, c'est parti. Je te laisse compter mon score. Fais pause quand tu es prêt, on reprend. J'ai fait deux fois le nombre 10. Donc ça donne 10 plus 10. Et ma troisième fléchette a atterri dans le 5. 10 plus 10 plus 5. Normalement, le mieux... Enfin, non, il n'y a pas de mieux en fait. Soit tu as groupé 10 et 10 et tu as obtenu 20. 20 plus 5, ça fait 25. Tu as peut-être préféré grouper. Tu as peut-être préféré grouper le 10 et le 5 qui font 15 et tu as ajouté une autre dizaine. 15 plus 10, c'était aussi 25. On va changer un petit peu les règles du jeu de la cible. C'est-à-dire que je vais toujours te montrer la cible, je vais envoyer deux fléchettes, mais je ne vais pas te montrer la dernière, la troisième fléchette que j'envoie. Par contre, je vais te dire combien j'ai marqué de points en tout. Toi, tu devras me dire dans quelle zone s'est plantée ma troisième fléchette. On y va. La première fléchette. La deuxième fléchette. Qui n'est pas partie. Voici les deux fléchettes. Je vais te dire combien j'ai marqué de points en tout. En tout, j'ai marqué 16 points. À toi de me dire dans quelle zone s'est plantée ma troisième fléchette. Je te laisse faire pause et chercher. Si tu as eu le temps de réfléchir, je te note ici la solution. On sait que en tout, j'ai 16. C'est donc mon résultat. C'est ce qui vient après le égal. En tout, j'ai marqué 16 points. Pour faire ces 16 points, tu vois que la première fléchette, elle s'est plantée dans le 10. La deuxième, dans le 5. Mais on ne sait pas où s'est plantée la troisième fléchette. Alors, on va regarder. 10 plus 5, on arrive à 15. Ah, pardon. Je suis à 15. Qu'est-ce qui me manque quand je suis à 15 pour arriver à 16? Eh bien, c'est, il me manque le 1. C'est ça. C'est 1 que tu devais noter. Parce que 15 plus 1, j'arrive bien à 16. J'espère que tu avais trouvé la solution. On va encore essayer avec une deuxième série. De la même manière, je te montre juste les deux premières et tu dois me dire dans quelle zone s'est plantée la troisième. Allons-y, je vais lancer deux fléchettes. Je te dirai combien j'ai fait en tout. Tu devras me dire dans quelle zone s'est plantée ma troisième fléchette. Attention, c'est parti. J'ai lancé deux fléchettes. Et je te dis que en tout, j'ai marqué 20 points. À toi de me dire dans quelle zone s'est plantée ma troisième fléchette. Je te laisse faire poser et réfléchir. Si tu as eu le temps, nous allons regarder ce qu'il fallait faire pour trouver. Je t'ai dit qu'en tout, j'avais fait 20. C'est donc le résultat de mon opération. C'est ce qui vient après le égal. La première fléchette s'est plantée dans le 10. La deuxième s'est plantée dans le 5. Et il me manque la troisième. On va regarder déjà combien on obtient avec les deux premières fléchettes. 10 plus 5, j'obtiens 15.
Combien il va me manquer pour aller de 15 jusqu'à 20? Tu as plusieurs solutions. Tu peux peut-être, par exemple, compter sur tes doigts, surcompter. Tu fermes ton poing et tu vas à chaque fois rajouter un doigt. Je suis à 15, 16, 17, 18, 19, 20. J'ai dû rajouter 5 doigts pour arriver jusqu'à 20. La bonne réponse, c'était 5. On va vérifier avec mon dernier lancer de fléchette. Attention. Et oui, c'était bien ça. Elle s'était bien plantée dans la zone 5. Cette séance est terminée pour aujourd'hui. Bravo, j'espère que tu t'es bien entraîné. Il y avait beaucoup, beaucoup de petites opérations à faire. On se dit à jeudi. Je te souhaite un bon mercredi demain. Pas de leçon. Prochaine vidéo, jeudi. Au revoir.